Et on est partout en France. Et maintenant, je te fais quoi? À propos, moi, j'ai suivi les conseils de consommation d'Europe numéro 1, c'est comme ça qu'on dit pour la publicité, les conseils de consommation. Oui. Eh ben, j'étais noir aussi, parce que je me suis tapé 3 litres de vin à 4,80 là, chez Carrefour. Et après ça, j'ai pris mon marteau. Et j'ai cassé mon pare-brise, tellement que j'étais noir. J'ai cassé parce que je me dis, il y a tellement d'avantages chez Carglass. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai jamais eu le moindre impact? Je suis depuis conducteur depuis une soixantaine d'années. Ouais. Je n'ai jamais eu un truc comme ça. Moi non plus. Carglass, avec le prix qu'ils payent comme publicité, parce que je leur fais pas de prix, hein, je leur fais pas de cadeau. Hein. Ils font à peu près 7 heures de publicité par jour, oui. Ne serait-ce que sur Europe. T'es d'accord. Hein. Il faut qu'il y ait des pare-brises cassées. J'en ai jamais vu. Moi. Alors je crois que soit ils engagent des casseurs de pare-brises. Ça m'étonnerait soit pas. Soit c'est une multinationale de la drogue qui est obligée de blanchir l'argent dans un truc de Carglass.